brain! Pourquoi pleurez-vous? Je pleure pas, voyons. J'arrive, je suis cru de bonheur, je suis ravi. Je ne peux pas contenir ma joie. Je voulais absolument qu'on me confie cette nouvelle mission. C'est une mission secrète dans ma bien-aimée Légion étrangère. Il s'agit d'une enquête sur la disparition des femmes criminelles recherchées. Ça s'est passé près d'un camp de la Légion dans le désert. Figurez-vous que le général m'a confié la mission. Oui, à moi. Ah, il me l'a confié à moi pour la toute première fois. C'est formidable, mon colonel. Mais à une seule condition, c'est que vous veniez avec moi. Mais c'est merveilleux. Je comprends pourquoi vous pleurez. Ce sont des larmes de joie. Vous êtes heureux, car nous allons travailler ensemble. Je suis profondément touché. Des femmes criminelles recherchées qui disparaissent près d'un camp situé dans le désert? Bizarre. La semaine dernière, le célèbre archéologue japonais Suzuki San a aussi disparu dans le même coin. Gadgette, je vous explique. Je mérite cette mission parce que moi, je suis un véritable légionnaire. La Légion, c'est la seconde mère. C'est elle qui a forgé l'homme que je suis aujourd'hui. Mais vous ne serez jamais assez bien pour la Légion. Allons, arrêtez de pleurer maintenant, mon colonel. Attendez, j'ai de quoi vous remonter le moral. Gogo Gadgeto, chapeau de légionnaire. Et regardez ça, Gogo Gadgeto, trousse de survie du désert. Avec ça, je peux extraire de l'eau d'un cactus, du venin d'un serpent. Je déteste un serpent. Et je peux trouver des sources cachées. Et permettez-moi une petite démonstration. Non, je ne vous permets rien du tout. Non, ta gadgette. Il y a de l'eau sous votre bureau, mon colonel. Arrêtez, je n'ai pas besoin d'eau. Et il y en a beaucoup, je crois. Voyons voir. Gogo Gadgeto, super fort. Ah non. Gadgette. Arrêtez ça immédiatement! D'accord, mon colonel. Et Gogo Gadgeto, super bouchon! Bon, je ferais mieux de partir si je veux être prêt pour notre mission. À plus tard! Je déteste! Comme je vous le disais, Dr. Gang, le grand trésor du temple nous appartiendra bientôt. Cette gravure révèle comment pénétrer dans le temple secret et comment trouver l'incroyable trésor et l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. Je veux cette arme, Suzuki-san. Oui, je sais bien. Mais pénétrer dans ce temple, c'est extrêmement difficile. Voyez-vous, il y a 12 statues concaves identiques sculptées en forme de femmes. Et elles doivent être occupées simultanément par 12 vraies femmes pour que les grilles du temple puissent s'ouvrir. Alors allez chercher des femmes, Suzuki-san. Oui, et c'est pour cela que ces deux charmantes dames sont là. Bonjour, enchantée, Dr. Gang. Je me présente, Sandy la Harpie, numéro 5 sur la liste des criminels les plus recherchés du monde. Et voici la grande bêta. Elle, elle est numéro 3. Salut, Doc. Nous, on fournit les filles, y a pas de problème. Et vous, mon grand, vous allongez la monnaie. Elles ont pu infiltrer la Légion étrangère. Elles se sont déguisées en recrues masculines. Elles pourront ainsi permettre aux autres femmes de se faufiler jusqu'ici. Et quand le moment sera venu, nous procéderons à l'ouverture du temple. Et le monde m'appartiendra enfin. Et le fabuleux trésor sera à moi. La moitié. Oui, bien sûr. La moitié, bien sûr. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez convaincu d'emmener ces boîtes de conserve avec nous.
Les corps de la Légion étrangère, droit devant. Non, pas Gadget. Allons-y. Au moins, les boîtes de conserve, elles ont mis leur ceinture de sécurité. Encore un atterrissage parfait. Attendez-moi, c'est ma mission, je vous signale. Garde à vous, légionnaires. Vous êtes ici pour servir la France avec courage, avec honneur et avec fidélité. Chaque légionnaire deviendra votre frère d'armes. Autant vous prévenir tout de suite. Il n'y a de place ici que pour les vrais hommes. Je demande la permission de parler, sergent. Permission accordée, soldat. Techniquement parlant, ces deux petits gars-là ne sont pas de vrais hommes. Ce sont des robots. Vous croyez que je ne sais pas faire la différence entre un homme et un robot? Espèce de nigaud insolent! Hop la vente! Vous me ferez 500 pompes! Permission de parler, sergent! Accordez, allez-y, soldat! Et techniquement parlant, ces robots sont à moi. Ne devrais-je pas faire une part de ces pompes, sergent? Soldat, je tiens à vous féliciter pour l'inébranlable solidarité dont vous faites preuve et qui doit toujours lier les membres d'une famille telle que la nôtre. C'est excellent! Vous en ferez 100 sur les 500 et que ça saute! Merci beaucoup, sergent! Mon garçon, je dois vous féliciter à nouveau. Vous ferez un très bon légionnaire, il n'y a pas de doute. Sophie, mauvaise nouvelle. On nous a expulsés du camp parce qu'on n'est pas de vrais hommes. Pour toi. Les gars, j'ignore ce que c'est, mais il se passe quelque chose. Vous devez retourner dans le camp. 398. 399. Tiens, chien, mais c'est le vieux poil au pif si je ne m'abuse. Non, un petit bonhomme. C'est bien lui. Sacrebleu, je n'aurais jamais cru que vous seriez encore ici, vous autres. Hey, tu vois, maintenant, on est chargé de former ces petits jeunes pour qu'ils puissent un jour prendre la relève. C'est pas vrai, les petits gars? Écoutez, les amis, si l'un d'entre vous en a assez de ce travail monotone et veut un peu d'activité, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser par là-bas. Ce gars, il aurait besoin d'être remis au pas, vous me suivez? Comme on faisait au bon vieux temps. Il est sans arrêt dans mes pattes. Ah, ce type-là, hein? Ouais, on va trouver de quoi l'occuper. C'est comme si c'était fait, vieux. Bien. Comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur la mission qui m'amène ici. Voyez-vous, je suis à la recherche de femmes. Mon pote, tu ne pouvais pas mieux tomber, alors. T'as oublié, poil au pif, il n'y a toujours pas de filles dans la Légion. Oui, je me souviens, mais on ne sait jamais. Ouvre l'œil. Et surtout, prévenez-moi si vous en voyez. D'accord. Les gars, j'ai téléchargé les plans du camp. Apparemment, vous devriez pouvoir entrer par un tuyau de drainage situé sur votre gauche. Tu parles de ce tuyau-là? Oui, il fait partie du système d'évacuation des eaux usées. Les égouts, quoi, ça empeste là-dedans. Fidget, les robots n'ont pas d'odorat. T'as qu'à dire ça à mon nez, vieux. Ils doivent connaître mes qualifications supérieures, sinon ils ne m'auraient pas confié ce travail qui demande de grandes compétences. Gorgon et Chéto, nettoyons nos toilettes. Voyons un peu ce qu'il sait au sujet de ce poil au pif et de sa recherche de femmes dans ce camp. Salut, soldat. Dis donc, tu connais ce soldat là-bas? Ah oui, bien sûr. Il s'agit du colonel Poilonné. Il vient de Womp. Écoutez, les gars, il ne faut le répéter à personne, mais il recherche des femmes qui ont disparu dans les environs du camp. Le problème, c'est qu'il a perdu la main. Hey, vous pourriez peut-être l'aider à se réadapter à la vie de légionnaire. Mais bien sûr. On se fera un plaisir de le remettre au parfum, mon pote. Oh, c'est vraiment gentil de votre part. Je vous remercie, les gars. Il faudrait qu'on déjeune ensemble un de ces jours. C'est vraiment dégradant comme situation. Et toi, Fidget? Hé, toi, le nouveau.
Le sergent instructeur nous a chargé de t'emmener en mission d'entraînement spécial hors du camp. Ah, en mission d'entraînement? Ben, j'étais sur le point d'aller faire une courte sieste, là, en fait. Pas de sieste aujourd'hui. Tu vas venir avec nous. Non, ma gadget. Le colonel Poilonnet sort avec ses nouveaux amis. Il en a de la chance. Je devrais me joindre à eux. J'adore les promenades dans la nature. Halt! Je veux voir votre permission de sortie. Permission de sortie? Alors, voyons un peu si j'ai ça en stock. Go, gadget, permission de sortie. Désolé. Mais ce n'est pas le bon gadget, je crois. Il arrive parfois que la chaleur cause des dysfonctionnements. Oh, il fait sa sieste maintenant. Oh, je ferais mieux de ne pas le réveiller. Alors, par où sont donc partis le colonel et ses amis? Quand je pense à tout ce qu'on a dû traverser pour arriver à entrer et nous revoilà dehors. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça, la petite robot? Go, gadget, boussole. Tiens, vous voilà, messieurs. Je parie qu'ils sont partis par là. Suivez-moi. Écoutez bien, soldat, il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit dans le désert. C'est de toujours faire attention à ce qu'on touche. Et comme cette pierre, par exemple. Des serpents ou des scorpions pourraient se cacher dessous. Hein? Non, mais je jette des sables au mouvement. Mais surtout, ne bougez pas, lieutenant. On va vous sortir de là. Gadgeto, masque de tempête de sable! Non, ta gadget, un passage souterrain secret! Surprise! Quelque chose d'affreux vient d'arriver au lieutenant! Il a été avalé par des sables mouvants sous nos yeux! On a creusé tout autour, mais impossible de le retrouver! Il a disparu! Oh non, quelle horreur! Je vais essayer de le localiser avec mon radar détecteur de chaleur! Son signal de chaleur avance dans un passage souterrain! Il est vivant! Les filles, vous ne croirez jamais ce que Brigitte, mon ancienne compagne de cellule à la maison d'arrêt, a osé me dire l'autre jour. Ah, laisse-moi deviner. Elle a critiqué ta coiffure, c'est ça? Presque non. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour les gars. Eh, vous connaissiez cet endroit, vous? Un salon de coiffure haut de gamme juste sous le camp. Ce n'est pas étonnant que les légionnaires soient toujours aussi impeccables. Tu n'aurais jamais dû venir ici, le petit nouveau. Bon, grande bêta, il n'y a pas de temps à perdre. Changeons-nous. Je me présente, Sandy Larpy. Et voici ma collègue, la grande bêta. Ça aurait sûrement été un plaisir de te rencontrer dans d'autres circonstances. Je suis le lieutenant Gadget, au service de la veuve et de l'orphelin. Non, ta Gadget, vos déguisements sont fantastiques, les gars. On dirait de vrais femmes. Et moi aussi, j'adore me déguiser. Vous allez voir. Et que vos Gadgeto quittent le déguisement. On dirait qu'il sait y faire avec les femmes, mon grand. J'avais loin d'imaginer qu'on s'amusait autant à la Légion étrangère. Je comprends pourquoi le colonel Poilonnet en parle si souvent. À propos de Poilonnet, justement, tu vas avoir droit à une petite surprise. Viens avec nous. Colonel Poilonnet, je suis content de voir que vous vous amusez enfin. Je disais justement à ces messieurs que vous adoriez la Légion étrangère. Désolé, mon petit gadget, mais on n'a pas le choix. Aucun problème. Les bonnes blagues, ça me connaît, j'adore ça. Non. Vous serrez les poignets. Allez-y. Et voilà, parfait. Oh, vous êtes vraiment de sacrés farceurs, les gars. Calme, Poilonnet, voyons. Un grand gaillard comme toi, ça va pas se mettre à paniquer à la vue de quelques petits serpents mortels de rien du tout. Tout est en place. Nous sommes prêtes pour le rituel, Suzuki-san. Bienvenue dans l'antichambre du temple, ravissantes et dangereuses dames. Veuillez vous placer dans la statue qui correspond à votre taille, mais faites-le délicatement, car tout mouvement brusque risquerait de rompre le rituel. Si cela se produisait, le temple resterait fermé. Vers toute cette vase visqueuse, c'est dégoûtant. Ouais, c'est pas terrible, même pour des robots en métal. Tiens,
bien, puisqu'on est là, si on en profitait pour se doucher. Au moins, tu arrêteras de geindre. C'est marrant, Carola a l'air différent des autres. Fidget, ne touche à rien. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Un ascenseur secret. C'est quoi ce bruit, Digit? Ça vient de là-dedans, on dirait. Ah, voilà, messieurs. Vous vouliez vous amuser aussi, hein? Ce serpent adore la musique, on dirait. Il n'a pas arrêté de se trémousser. Fidget, Digit, vous me recevez? À vous, les Gadgetini, est-ce que vous m'entendez? Docteur Gang, dans quelques instants, nos chères demoiselles seront prêtes à réciter l'incantation qui permettra d'ouvrir le temple secret. Nous serons bientôt, vous, invincibles, et moi, riche. Excellent travail, Suzuki-san. Le professeur Suzuki est donc son complice. Je le savais. Digit, Fidget, à vous. C'est urgent, répondez. Je vais dominer le monde. Oh non, il faut que je fasse quelque chose. Ah super, j'ai un contact visuel. Alors, cher général, le docteur Gang vient de pénétrer dans un tunnel secret sous la base de la Légion dans le désert. Il compte vraisemblablement piller un ancien temple souterrain. Envoyez du renfort immédiatement, signé Lieutenant Gadget. Ça devrait marcher. J'espère juste qu'il le recevra à temps. Vous pouvez commencer l'incantation lentement. Ne vous arrêtez pas tant que la pièce n'est pas complètement descendue dans la terre et que la porte du temple ne s'est pas ouverte. Voilà, très bien, continuez. Je n'en peux plus. Je suis à bout. Asseyez-vous, mon colonel. Un moment de détente dans ce salon de coiffure très chic vous fera le plus grand bien. Et sans vouloir vous vexer, vous devriez prendre mieux soin de vos cheveux. Tiens, j'entends quelque chose. On dirait des femmes qui chantent. Gogo Gadget, un super appareil audiatique. Non, ta gadget, c'est bien du chic. Cet endroit est vraiment fabuleux. Non seulement il y a un grand salon de coiffure très chic, mais en plus, ils organisent des concerts rien que pour les légionnaires. Je ne peux pas rater ça. Et Gogo Gadget, ordinateur portable. Bon, voyons un peu. Je vais essayer de trouver des tickets sur le site internet dernièreminute.com. J'arrive enfin à vous joindre, les gars. Écoutez, dans la pièce à côté, 12 femmes très dangereuses s'apprêtent à ouvrir un temple secret qui semble contenir une arme très puissante. Il faut les arrêter à tout prix avant que le docteur Gang ne s'en empare. Dépêchez-vous! Je crois que j'ai trouvé le bon site. Opéra de l'Oasis, ça doit être ça. Maintenant, voyons si on peut avoir des places ensemble. Continuez l'incantation, mesdames, continuez. Docteur Gang, le temple s'est ouvert, ça y est. Vous pouvez venir chercher le trésor et l'arme. Apportez-les-moi, Suzuki-san. Le tunnel est bloqué, je ne peux pas aller plus loin. À vos ordres, Docteur Gang. Je crois qu'il n'y ait plus de place pour le concert, lieutenant. Je crois que vous devriez utiliser votre foreuse. Excellente idée, Agent Fidget. Pour vos gadgets, une super foreuse. Docteur Gang, je crois que nous avons des visiteurs inopportuns. Prenez l'arme invincible et détruisez ces intrus. Oh. Oh, non. Docteur Gang, il y a un problème. L'arme la plus puissante du monde n'est qu'une simple épée et le fabuleux trésor d'une valeur inestimable. Ce n'est qu'une vieille encyclopédie. J'aurais dû m'en douter. Le savoir a toujours été le plus grand des trésors. Quant à l'épée, c'était en effet l'arme la plus puissante du monde. Il y a de ça 4000 ans. Gadget! Encore et toujours, Gadget! Thank you.
Hatchet. Encore une mission parfaitement accomplie. C'est dommage que l'avidité du professeur Suzuki ait provoqué la perte d'une merveille archéologique. Mais au moins, le monde est sauf. Je n'ai fait que mon devoir, mon général. Bravo, mon garçon. Non, Gadget. Voyons, détendez-vous, mon colonel. Votre nouvelle coiffure sera bientôt terminée, je vous assure. Là, voilà, il ne manque plus que la touche finale. Gogo Gadgeto, instrument de coiffeur. Non. Allons, mon colonel, vous allez adorer votre nouveau look. Un coup de sèche-cheveux. Gogo Gadgeto, super maquillage. Miroir, n'oubliez pas de prendre un bonbon en partant. Faire plaisir à des amis, quelle immense satisfaction.